Bonjour à tous. J'ai le plaisir de partager avec vous nos convictions crédit pour le mois de novembre qui s'articule autour de trois axes fondamentaux, flux et valorisation. Sur le mois d'octobre, les performances du marché du crédit ont été étales, hormis l'effondrement du haït chinois qui réalise une des pires performances de son histoire. Sur les fondamentaux, pas de surprise, ils sont très solides tant aux États-Unis qu'en Europe et faibles en Chine. Concernant les publications sur le S&P 500, 82% des entreprises annoncent des résultats par action au-delà des estimations avec une croissance de plus de 34% sur un an glissant. Sur le Stoxx 600, 68% des entreprises annoncent des résultats par action au-delà des estimations pour une croissance de ces derniers de plus de 44%. Du point de vue crédit, on note que les ratios s'améliorent plus par une augmentation de l'EBITDA que par une baisse de l'endettement. Du côté bancaire, la Commission européenne vient de publier le draft de transposition des règles amendées de BAL 3 en droit européen. L'objectif est de standardiser les modèles de calcul interne d'exigence de fonds propres afin d'éviter trop d'ingénierie financière dans les bilans. Comme nous l'avions anticipé, le lobbying bancaire a bien fonctionné les nouvelles règles ne sont pas très contraignantes. L'application de ces nouvelles règles est retardée et plus limitée que prévu. Et du point de vue ESG, les obligations de communication seront élargies à l'ensemble des banques. Et le risque ESG sera pris en compte pour la détermination des exigences de fonds propres minimales. A contrario, le haït chinois est fortement impacté par les abaissements de notation. On en dénombre plus d'une trentaine sur le mois d'octobre et le distress ratio s'établit à plus de 35% du gisement. Dernier en date, Keisa, dégradé triple C, par Moody's et Fitch, en raison notamment de remboursements cumulés pour 2022 de plus de 3,5 milliards de dollars. Pour garder espoir, la presse locale indique que les conditions d'octroi de crédit s'assouplissent et constate que les taux de crédit immobilier baissent pour la première fois depuis le début de l'année. Ces mesures au niveau des provinces pourraient dégeler en partie le crédit sans pour autant mettre à mal les principes de la prospérité commune. Sur les flux, c'est plutôt contrasté. Les investisseurs commencent à sortir des fonds investment grade et à yield européen. Les flux ne sont pas massifs pour le moment, mais il s'agit probablement d'un mouvement de fonds en lien avec les pressions observées sur les taux souverains. Les émissions primaires nettes sur le high européen ont été très importantes. Plus de 98 milliards d'euros d'obligations ont été émises, soit une augmentation de plus de 47% par rapport à l'année dernière. Sur l'année, on retrouve autant d'émetteurs single B que double B et de moins en moins de refinancements. Les marchés doivent intégrer les conséquences d'une crise énergétique et le début d'une normalisation des politiques monétaires partout dans le monde. En Europe, l'intervention de Christine Lagarde n'a pas rassuré les marchés. Il est probable que les marchés testent la BCE sur une éventuelle divergence entre taux corps et périphériques dans les prochaines semaines. Dans ce contexte, notre préférence va pour l'investment grade européen, encore administré par la BCE. Sur le haïl chinois, nous restons investis sur le best-in-class crossover, persuadés que les niveaux extrêmes de valorisation ne vont pas perdurer. Par ailleurs, nous sommes un peu méfiants à court terme sur le high yield européen, plus pour des raisons de flux que fondamentales. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et je vous donne rendez-vous le mois prochain.